Bonjour, je vous présente donc le troisième opus des Mes aventures du Capitaine Cost. On a commencé par le Code 93, c'était il y a 4 ans déjà, et puis après Territoire, et maintenant donc, le dernier s'appelle Surtension. Donc c'est une enquête, en fait c'est 5 enquêtes en une seule, c'est l'histoire d'une frangine qui va essayer de faire sortir son petit frère de prison. Alors elle est quoi? Elle est braqueuse de bijouterie, c'est une braqueuse professionnelle, et puis cette fois-ci sur ce coup-là, qui était un coup normalement assez facile, elle a décidé de faire monter au braquage son petit frère. Il s'appelle Nano, il a 22 ans, il est tout jeune, il est beau comme un diable, et évidemment il va se faire attraper et tomber dans la prison la plus dangereuse de France, que j'ai appelée Marveille. Donc ça va être un peu compliqué pour lui, il va être en danger de mort quotidiennement, donc sa sœur va décider de le faire évader. Mais pour mettre les flics dans le brouillard, elle va décider de faire évader aussi 4 autres personnes. Ce sont donc 5 criminels très dangereux qui vont sortir de prison, retourner dans la nature, et mon pauvre flic et son équipe, donc Cost, Ronan, Sam et Johanna, vont devoir enquêter sur 5 assassins en même temps. Ce qui va être assez compliqué, ce qui va justement les emmener à leur point de surtension. Alors c'est tout le sujet du bouquin Surtension. J'ai choisi ce titre, Surtension, parce que justement je vais apporter mes 25 personnages à leur point de rupture. Ce point de rupture, c'est quoi? C'est cette partie de votre personnalité, c'est cet animal qui est en vous et qui se révèle quand vous êtes en danger de mort ou quand vos proches sont en danger de mort. Et j'ai voulu donc apporter ces personnages à ce point de rupture parce que justement c'est une partie de notre personnalité qu'on ne connaît pas bien. Et donc même moi en tant qu'auteur, je ne savais pas vraiment comment mes personnages allaient réagir. Est-ce que cette sœur va aller jusqu'au bout de cette tentative d'évasion? Est-ce que le capitaine Cost, à un moment donné, va appuyer sur la détente? En fait, on va essayer de savoir qui ils sont quand ils sont en danger de mort, quel est l'animal qui est caché en eux.